tired. I just feel the pressure of the thing that I have in mind. I wanted peace, I wanted to be fine. I wonder why I can't adjust it for a while. I really want to see what it looks like to have a moment I knew that would be mine. When the windows are all closed, like a picture of a time when the future is the hope you're looking for. Save me from everything. Tell me where to find my way. I'm just looking for something. I can make it another day. 'Cause I'm falling down, fading away. 'Cause I'm falling down. This is what I know. I just keep running. Always working fast and hard. Never thinking about now. Believing I'm happy thanks to all the things that I have to try. I wanted peace. I wanted to be fine. I wonder why I can't adjust it for. Et bonjour, on se retrouve après le petit grinding montage pour le 22e épisode sur Pokémon Emeraude. On est encore interrompu par ce putain de Lorenz. Je crois qu'il voulait un combat ou un truc comme ça. On se retrouve, donc vous avez pu voir que le grinding montage n'a pas duré longtemps. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce qu'en fait vous avez certainement vu qu'un Pokémon sur 3 seulement était de niveau 30. Donc autant vous dire que c'était de la merde à monter. Donc j'ai eu le temps de monter la mer et puis Razor Shell, sachant que ça m'a pris déjà un quart d'heure hein, pour les passer de deux niveaux à peine. Donc alors en premier nous avons PXWWE, Ténèbres Spectre, Absorbe Vol niveau 38, Lance Sens Doux, Gros Yeux Bluff, Ténèbres Feinte, Razor Shell niveau 40, Isogresse, Bullrock Dance, Lame Coupe Cruelle, Hippie,
Niveau 36, torrent, synthèse, tranchère, protection, poudre toxique, la mer, kangourex, grip acier, surf, éclat rock, force avec le talent hypercuteur, vomito qui lui a monté de ouf, malgré les Pokémon de merde grâce aux multi-expériences, avec détritus, il a pris acide armure, grincement et lilliput. Et Héloïse a gagné aussi quelques niveaux, mais comme ça, un légendaire Elgan moins vite, elle a Medic Nature, Tornade Poudreuse, Brume et Vol. Et là, je reçois des messages WhatsApp qui n'ont absolument rien à voir de la part du micro. Hein. Et du coup, on va se taquer au centre spatial. Parce que comme on a fait l'arène, je crois que c'est ça qui reste à faire. Tac, tac, tac. Oui, la team Magma, elle est rentrée. Et on va tous se les taper. En espérant qu'ils s'appellent tous Bob, comme dans l'épisode précédent. Et on arrive bientôt à la fin de ce let's play sur Emerald qui aura duré des mois et des mois. Et ça envoie le Karatrok. Un des Pokémon les plus chiants du jeu. Heureusement que j'ai Nightshade. Enfin, Ténèbres, je veux dire. Qui fait des dégâts fixes et que ce truc a 0 PV. Il manquerait plus qu'il ait des PV, ce truc, regardez. Donc là, il doit avoir, je sais pas, ça fait 38 dégâts. Il doit avoir 45 PV, un truc comme ça. Ce qui est plutôt ridicule. Mon Corgo aussi, ce truc avait des PV, mais ce serait un Pokémon intuable. Il donne 273 et 2 fois 136 avec Héloïse qui monte au niveau 31, ce qui est plutôt agréable. Et ça, on envoie un Armulis. Donc du coup, on va envoyer Héloïse, comme ça, ça fait du free XP. Parce que je sais pas si Picor c'était en 3ème génération. Donc ça se trouve, il a que armure et charge. Ce qui est bizarre, c'est que la team Aqua et la team Magma, ils s'appellent tous Bob en fait. C'est assez bizarre. Bon, il fait armure et comme les attaques vol sont physiques dans le jeu, ça risque de faire 3 dégâts et demi, mon vol, mais c'est pas grave, c'est un truc qui compte. Ah, quoique non, j'ai rien dit, c'est un one shot. Un magnifique one shot. Oh, l'XP. Délicieux. On s'attaque au deuxième sbire. Ouais, ouais, c'est ça, la gueule. Alors, ils ont un Pokémon, donc c'est plutôt cool. Bluff. Tac. On va faire Ténèbres. Parce que feinte, ce sera neutre. Je pense que ça fera moins... Comme il n'a pas une attaque très haute, ça fera sûrement rien. Quoique même, c'est spécial, en fait. Enfin bref, il a pas de bonus stat offensif, Tenedix, de toute façon. Puis je pense qu'il est devenu bon uniquement grâce à son talent farceur qu'il a acquis en 5e ou 6e génération, si je ne m'abuse. Et comme il a soin, ben, le soin prioritaire, voilà quoi, c'est le taf. Là. Moi aussi, ils ont tous qu'un Pokémon apparemment. Putain, ça fait tellement mal. Ok. Personne ne devrait passer. Ah lui il en a 3 par contre. Là par contre on va faire feinte. Oh merde j'ai du pied. Ça c'est chiant par contre. Heureusement que c'est pas un PP lock. Hein. Hypocéon. Tac, t'es pas encore de type dragon. Du coup Trancherbe. Voilà là là. Parfait, coup critique, je suis sûr que ça n'a pas joué. Hein. Ningal. Bon, on va mettre Azur Cell parce que faut pas déconner, voilà. Voilà, ça laisse moi passer. Oh merde, ils sont 3. C'est quoi ton problème? Tu as 1 contre toi, mais tu veux quand même te battre? Ouais. Plutôt téméraire, ce que je vois. Ok, à moi l'honneur alors. On enchaîne les battles. Alors, quel est... Ouais, ils ont un Pokémon, je me disais bien qu'ils allaient pas avoir 6 Pokémon chacun, mais ils sortent le Maconeur quand même. Donc heureusement qu'on a le type spectre qui devrait être immunisé à toutes ses attaques parce que je pense pas qu'il a trop d'attaques par level up. Ah merde, il a rien vraiment. Ça c'est problématique par contre. Rate ton attaque. Parfait. Je savais même pas que ça pouvait rater, Vendetta. Ah mais c'est grâce à ma poudre. L'encens doux qui devient utile, qui sauve Paige parce que sinon je pense que ça aurait été le one shot. Parce que ça aurait négatisé, mais négatisé, c'est pas français, ça aurait annulé le talent, enfin le type spectre, et comme le type ténèbre c'est faible au type combat, bah j'aurais été one shot je pense, ça aurait été la fin de Paige.
ce qui a été somme toute désagréable. A savoir que Paige Jarrell, suite à une blessure, a dû arrêter sa carrière de catcheuse professionnelle, mais elle est devenue la general manager de SmackDown Live, donc c'est-à-dire celle qui va faire les matchs, et ça c'est plutôt cool. Alors ce truc... on va mettre la mère. Gros doudou, j'ai jamais su si c'était un lapin ou un hamster. Je sais pas. D'un côté avec les oreilles, j'ai envie de dire lapin, mais d'un côté avec le reste du corps, ça ressemble plus à un hamster, c'est un peu énorme et tout. Ouais, t'as perdu. Ok, on est déjà au troisième. Ok, Barbie, chat. Tac. Tu te faire amnésie, ça va pas changer. Bon, j'ai rien dit, ça va changer tout. On va mettre hippie. Tac, il faut 4. Ah, on n'en parle plus. Alors, on va aller... Ah oui, ça c'est la double battle avec Pierre. Oh. Le team magma. Pourquoi vous voulez nous voler les câbles de nos fusées? Puisque tu es si curieux, tu mérites une explication. Nous voulons tout déverser dans le mont cheminé. Croudon parti, nous n'avons plus besoin de cette montagne. Alors, nous allons utiliser le carburant pour créer une énorme éruption. Ça va être terrible. Putain, le bond en arrière qu'il a fait de 20 mètres. Jovico, tu veux m'aider? Affrontons-les ensemble. On y va, maintenant, parce que je suis maître de la ligue, mais c'est pas suffisant. Ok, donc... ah oui, on doit choisir 3 Pokémon. Alors, Razor Ciel, la mer... Et bah Lise, confirmé. Je me demande si ces Pokémon à pierre seront randomisés ou pas. Non, c'est pas randomisé. Putain, 42, 43, 44, c'est sous. Hein. Je suis sacrément sous-levelé, hein. Ok, alors c'est Max et son bras droit, donc ils ont 6 Pokémon, 3 chacun aussi. Dracos et Arbok. 44, oh le salaud. Ok, donc danse l'âme. Voilà, il fait abri, c'est parfait. Là j'ai pas la speed up celle-là parce que faut pas faire le con. Hein. Petit coup, merde, il a pas fait sur le hardbox. Ok, Métang est paralysé. Je vais faire cruel sur le hardbox. Je vais pas me faire paralyser moi aussi. Ah putain, ça tue pas. Chier, merde. Razor Ciel qui nous laisse tomber. Oh putain, il a flamèche le connard. Heureusement que j'ai isogresse. Hein. Voilà, c'est bien. Parfait, il s'est réveillé. Il s'est rendu compte... Enfin, il s'est souvenu que le type poison était faible face au type psy. Suicune, ok. Oh putain, mais c'est quoi cette team de balle? Allez. Cette team de bâtard. Elle est cruelle. Il fout la pluie, ça c'est pas fort. Ah ça c'est bien s'il fout la pluie, comme ça ça fait que... C'est comme s'il avait plus de faiblesse feu. En fait c'est le souffle qui s'est rebellé, il en avait marre d'être traité comme une merde. Oh putain, par contre ça fait 0. Hein. Je suis à plus 2 mais ça fait 4. Lui. Ouais, prends tes restes, Razor Shell. Tac, tac. Gros yeux, d'accord, donc move pool de caca. Voilà, la défense baisse. La flamèche qui part. C'est super efficace. Putain, je suis paralysé. Il fait le psycho. Le psycho qui fait ultra mal. Oh non, bulle d'eau sous la pluie, ça par contre ça va faire bobo. Ça va faire bobo. Putain, il faut pas qu'il me crit là. Allez, tue-le. Non, fais chier, Razor Ciel. Putain, merde, il a pas fait sur le bon. Euh...
La mer, go. Je sais pas si la mer tanque mieux, mais... Ouais, elle tanque mieux. Ah, les salouilles. J'ai déjà prévu le chaos. Hein. Alors, guitare sous la pluie. On va d'abord se débarrasser du sbire, comme ça ce sera du 2 contre 1, ce sera plus facile. Est-ce qu'il était intelligent? Moi je pense que ça va tuer quand même, parce que c'est qu'un guitare. Voilà, voilà. Donc là forcément que le psycho va partir dans le protect. Ah, mais Tang il gagne aussi de l'XP. C'est nouveau ça, je savais pas. D'habitude dans les combats, du coup, on voit pas le collègue qui gagne l'XP. Regardez. Ouais, mais Tang gagne 225 points. Ok, Léviator. Putain, il a pas une team dégueu lui, hein. Ok, ça c'est bien. La DSP qui descend. Il remet la pluie. Donc il va falloir gaffe à pas se prendre une cascade, parce que je crois que ce truc à prendre cascade par level up, c'est comme poisson roi et poisson sirène. La force qui fait mal. Qui fait mal sa mère. Ok, le psycho qui tombe. Putain, Loïs qui a pris 1000 points. Putain, et Staros, ça fait chier. Il a que des Pokémon qui bénéficient de la pluie. Heureusement qu'il est con. Ok, normalement s'il fait pas hydrocanon c'est fini. Ok, il a pas fait sur moi, c'est parfait. Tout ce que je souhaite, c'est étendre la surface de la Terre. Je suis avec notre leader. Nous n'arriverons pas à faire entrer le volcan en éruption. Nous n'avons pas réussi à contrôler Groudon après l'avoir réveillé. Aurions-nous eu tort de vouloir étendre la Terre? Si nous, la team Magma, avons tort, alors que penser de la team Aqua? Très bien, nous allons vous laisser le carburant. Il y a des choses plus importantes auxquelles je dois penser. Pew! On a eu chaud. Merci, Jovinko. Je voudrais te donner quelque chose pour te remercier de ton aide. Passe me voir chez moi plus tard. Ah oui, j'habite pas à Merouville, mais bien ici, sur cette île. D'accord. On va normalement c'est un Terral qui donne. Et je me souviens plus si c'est randomisé les Pokémon statiques. Mais dans tous les cas, on va se soigner. Tac tac. Alors on va déposer Ténifique juste parce qu'il va nous pour prendre le Pokémon et puis on va directement rechanger. Jovinko. Comme tu vois, il n'y a pas grand chose ici, mais je m'y sens bien. Merci pour tout ce que tu as fait. Pour te prouver ma gratitude, je vais te donner cette CS. Elle contient plongée. Tu la mérites vraiment. Tu ne peux pas refuser. Ok. Quand tu utiliseras surf, tu verras des zones d'eau plus sombres. Utilise plongée si tu es au-dessus des profondeurs. Tu iras au fond de la mer. Si tu veux remonter à la surface, utilise plongée. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas un Pokémon qui met normalement sur la table? Ou c'est... Est-ce que c'est après la ligue? Et comme c'est après la ligue, ben, je l'aurai jamais. Ok, bon tant pis. Alors j'ai fait tout ça pour rien. Donc si vous voyez pas le layout changer, ben voilà, c'est qu'en fait ben, je m'étais gouré. J'ai juste regardé parce que je suis pas sûr que quelqu'un puisse avoir une plongée en fait. Ouais, c'est bien ça, personne peut avoir une plongée. Comme j'ai pas randomisé les CS. Alors, qui veut apprendre plongée? Bon, bah sûrement pas de bras. Fat, il peut sûrement aussi, mais bon, voilà, quoi. Est-ce que j'ai envie de prendre Fat? Au sol, ça peut être pas mal, mais bon, après, qui est-ce que je vire? Dilemme. Putain, c'est difficile. C'est difficile. Mais il faut en enlever un. Bon, ben, on va enlever Ténéfix. Et on va prendre pas de bras. Tac.
on va lui prendre. Après, on va plonger. Plonger qui fait que 60 là. Donc c'était 80 d'habitude. Donc comme c'est un Pokémon, on va lui enlever souplesse parce que voilà. Tac. Et qu'est-ce que je voulais faire? On va lui prendre son objet. Et là je sais plus trop exactement ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut aller à Tananopolis? Ou est-ce qu'il faut aller chercher la team Aqua? Attendez, est-ce que j'ai une carte quelque part? Ah non, ça va, la carte elle est là, dans la carte de M. Il me semble qu'il faut que j'aille à Tananopolis là. On plonge. Ok, d'accord. Ça sert à rien. Sur la 124, je sais que j'avais une rencontre. Oh, Flora, tu veux aller à Pacific Ville? Oui, c'est sympa. Mais je pense pas que c'est là-bas qu'il faut aller. Je sais que Pacific Ville, on n'a pas besoin en fait de cette ville limite. On y va en fait juste parce qu'elle est sur le chemin pour aller choper Rayquaza, mais autrement on s'en branle. Alors voilà, ça sort nul. Channel 126, par contre je suis sûr de pas avoir fait de rencontre, mais on va quand même regarder pour être sûr. Non, c'est pas possible que j'ai fait une rencontre. Alors, Sona 126, Sablette. C'est plutôt pas mal. Eh merde, coup critique. Et chier. Oh, Raikou. Alors, on va tuer le Medicham et on va poudre toxique le Raikou. Ok, hurlement. Détritus, Francherbe, Détritus, Francherbe. Vomite au niveau 35, c'est parfait. Je sais plus si le niveau 38 ou niveau 40 Vomito. Boulrock. Non. Boulrock. Ah, je suis paralysé, fais chier. Ok, fond marin, il y a une rencontre là aussi. Petit champi. On va juste se soigner de la paralysie. Tac, utiliser. Allez. Une rencontre. Ténéfix, ok, c'est doublon, donc on va pas le prendre. Et doublon. Une menade, ouais, c'est pas mal. Est-ce qu'il y a que des Ténéfix? Ah, il n'y a qu'une chance qu'ils survivent. Et puis dans le jeu, c'est vraiment une merde, hein, le faire évoluer. Genre, vous devez faire des concours et avoir la beauté au niveau maximum. Donc voilà. Donc lui, il est mort. Et Pokémon. Plongée. Voilà, on a Tananopolis. Je n'ai jamais trouvé aussi rapidement cette ville. Putain, on a Sulfura. Ok, Master Ball. Première rencontre à Tananopolis. Je suis désolé là les gars, on est obligé de Master Ball ce truc. Viens à moi. Putain, si j'avais pas fait le con avec Elector, j'aurais pu avoir les trois oiseaux légendaires. Les données de Sulfura sont ajoutées au Pokédex.
Chez Ulfura, Pokémon Flamme, c'est un Pokémon oiseau légendaire pour contrôler le feu. On raconte que lorsqu'il est blessé, il se baigne dans un volcan en ébullition pour se soigner. Il se baigne dans un volcan en ébullition. On va l'appeler... On est obligé de l'appeler Phoenix, hein. Je crois que Phoenix, c'est qui fait Onyx. Au pire, il y a une faute d'orthographe. C'est pas grave. Voilà. Ok. En plus, on est pile à 21 minutes. C'est pas mal, ça. On est bien goupillé. Donc, on va juste checker notre Sulfura. Absorbe Volt Sulfura. Oh là là, ça c'est chill. Ça fait une faiblesse en moins. Bon, il reste toujours l'eau, la roche, le sol, la glace on prend neutre, l'eau. Bon, il reste pas mal de faiblesses, mais ça en fait une de moins. Et il a Cruel Flamèche et Dense Lame. Et en plus, comme j'avais besoin d'un type feu, qui je pourrais enlever? Ah, fais chier, j'ai envie d'en enlever un, mais bon, ce sera le Joker. En tout cas, les gens, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like. Nous, on se retrouve pour le 23e épisode de Pokémon Emerald. Je vais le tourner à la suite du 22e. Donc voilà, je pourrais pas lire les commentaires s'il y a des commentaires, mais c'est pas grave, je le lirai pour les prochains épisodes. On va essayer de finir le jeu. Enfin, on pourra se lancer dans de nouvelles aventures. Donc, à la prochaine. C'était Jovinko de Play Demol. Allez, ciao les gens.